Thank you.
Je n'aurais jamais cru ça de ta part. Tu voulais me balancer. Mais pourquoi? Je t'ai toujours traité comme mon frère. Oui, je sais bien. Tu me diras qu'il y avait cette histoire d'œil, que je devenais aveugle. Que c'était Serge qui avait arrangé ce marché entre nous. Mais ensuite, grâce à toi, je revoyais la lumière. Et toi, grâce à moi, tu revoyais la lumière aussi. Tu en avais pris pour 25 ans. Nous voyons la lumière avec les mêmes yeux. Je t'ai toujours traité, à cause de cela, comme un autre moi-même. Tu me fais de la peine en voulant me faire échouer. Une immense peine. Je ne veux plus considérer mon action que comme la mienne et non celle d'un parti où déjà diverses compromissions s'accumulent pour mieux se compromettre ensemble. Je me propose donc seul à la critique comme à l'éloge, sans parti et pour voir plus loin, sans pays, sans frontières et sans notion de nationalité. Si je dois déclarer la guerre, c'est à la guerre, au nationalisme, à la division et au travail sans joie. Mon autocritique m'amène à vous dire ceci. J'ai touché au jeu politique et mes mains se sont salies. Mais une nouvelle vision vient de m'être donnée qui m'éclaire sur la route à suivre. Et l'amertume, l'aigreur ou le goût du pouvoir que le jeu politique aurait pu me procurer ont été remplacés par une vision d'un monde ludique d'où l'enfer que notre terre paraît abriter serait possible à repousser. Ainsi, le travail ne sera plus le but de la vie de l'homme que je vous propose de créer, mais bien plutôt l'accomplissement, l'épanouissement de chaque être ou chose qui voit le jour. L'homme libre, libéré, commencera par la suppression de l'homme esclave, de l'homme machine et de la bureaucratie. Supprimer l'impôt, les frontières, les monnaies, mettre à la disposition de tous et sans condition aucune tous les progrès, si l'on peut dire, que la technique peut apporter, me semble le premier devoir à remplir, non par un homme ou un parti, mais par l'ensemble de tous ceux qui voudront bien se convaincre à travers le monde que sans la libération de chaque individu, il n'y aura, pas plus qu'il n'y a jamais eu, de libération non pas seulement des masses, mais massive de l'homme.